chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous comptons parce que bon Dieu nous a rendu possible pour nous rencontrer avec vous matin dans l'émission Paul, le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sous Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Ma belle vidéo pour nous prier ensemble. Dieu trois fois saint, nous dire merci pour tout bien faire yon envers nous. Merci d'être que nous sommes perdus sans Dieu, sans espoir dans ce monde. Où t'es venu chercher nous en la personne de Jésus-Christ. Où joignez-nous, où purifiez-nous, où sauvez-nous et où adoptez-nous dans la famille. Et je dis à nous quand même crier Abba, Père. Personne n'a pas de pardon pour tout péché nous. N'a pas de mettre force ou nos faiblesses. Bénie mission ça. Utilisez-nous comme un instrument pour un peu de monde qui a édifié et même édifié à salut. Au nom de Jésus, nous prions au Père, le même qui vient qui règne, de maintenant et pour toujours. Amen. 1 Chronique 29, versets 10 et 11. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Après David fin bail en pile don pour la construction du palais de l'Éternel, et après David invite les leaders et le peuple pour suivre exemple. Et David voit comment ils répondent d'une manière positive. Les leaders, ils baillent par milliers. Et ensuite, le peuple va bailler avec largesse. La Bible nous dit, peuple a été réjoui des offrandes volontaires que yo te baye avec yon cœur bien disposé. Et David, de son côté, te éprouvé une grande joie. Après ça, David observé, David pral béni l'Éternel. Parce que David t'a déjà dit peuple, car ce palais n'est pas pour un homme,
mais il est pour l'Éternel. Les lois, comment mounio avec enthousiasme, avec zèle, avec passion, avec un cœur bien disposé, yo bay en quantité, en grande quantité, pour la construction du sanctuaire de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. David va bénir l'Éternel. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. Devant la générosité du peuple et des leaders, devant la largesse du peuple et des leaders, devant cette grande préparation qui faite pour la construction de la maison de l'Éternel, David, il va prendre du temps pour bénir le nom de l'Éternel. David, comme un chanteur, comme un musicien, David connaît comment louer l'Éternel et comment bénir l'Éternel. Et dans Psaume 103, David écrit des paroles. Côté la louer l'Éternel, il a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David devant réponse peuple, devant réponse leader, yo. David pas négligé, bénit l'Éternel. David lui bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Yon bénédiction qui est publique. David pas fait ça en privé. David pas fait ça avec famille seulement. David pas fait ça de manière individuelle. Gen bagay bon Dieu fait dans la vie ak dans la vie ou. Gen côté bon Dieu sorti ak nous, côté bon Dieu mette jodi a. Nous doué publiquement béni le nom de l'Éternel. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David te fait une grande convocation. Te gen une multitude qui était là en présence de l'assemblée d'Israël. En présence de tous les grands de la nation, en présence de tout le peuple, David a béni non l'Éternel. Et m'a dou gen bagay bon Dieu fait pour moi à coup. Réponse nan doué public. Gen bagay bon Dieu fait pour nous. Nous pas ka pas béni non bon Dieu publiquement en présence de son peuple, en présence de son assemblée, pour être capable de découvrir la grandeur, la toute puissance de notre Dieu. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Gen moun ki di yo timide, yo pa ka pale en public. Mais comment pou nou fè le fils du roi des rois, la fille du roi des rois, et pe pou nou gen timidité à tel point, nou pa ka béni bon Dieu publiquement pour ça li fait pour nous, pour
bénédiction nous recevoir. Amen. David, bénis bon Dieu publiquement. Donc, bénédiction, ça, c'est une bénédiction qui est publique. Et son bénédiction qui sortit dans la bouche d'un homme qui t'est occupé la plus haute fonction de sa nation. C'était le premier personnage de la nation d'Israël dans le temps. David fut le second roi en Israël. Un homme que Dieu a élevé. Un homme qui était très grand aux yeux de sa nation. Malgré sa grandeur, malgré son élévation, il n'a pas hésité, il n'a pas embarrassé, il n'a pas honte pour le bénir bon Dieu publiquement. Nous rappelons-nous, les lâches là ont retourné à Jérusalem. Et Milcar, la femme de David, la fille du roi Saül, n'a pas apprécié. Là, elle était David a dansé devant l'œil de l'Éternel. Il était blâmé David. Li David, on ne voit pas qu'à agir comme ça. On ne voit pas qu'à avoir un comportement comme ça. On ne voit pas qu'à danser, à bénir bon Dieu publiquement. David, pas d'accord avec madame Li. Parce que, des bagailles bon Dieu fait pour moi. Il est tellement grand, tellement merveilleux. Nous pas qu'à. Nous pas capable bénir bon Dieu publiquement. N'oublier qui nous nouille, n'oublier si nous sommes médecins, n'oublier si nous sommes avocats, n'oublier si nous sommes managers, n'oublier si nous sommes directeurs, n'oublier. Parce que devant la grandeur de Dieu, nous sommes très petits. Et nous devons toujours humilier nous malgré côté nous arriver, malgré nos échelons de arriver dans la société. Ça. Pour nous humilier devant notre Dieu. David dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Une bénédiction publique, une bénédiction qui sortit de personnages qui t'est occupé en fonction élevée dans la société là. Et dans la bénédiction, ça, David mettait accent, David mettait en phase sur les dieux d'Israël. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. Donc, lorsque David a béni mon Dieu. David a béni mon Dieu parce que mon Dieu, lui, c'est papa nation Israël. Lorsque Israël était en esclavage en Égypte pendant des longtemps, les David et les Moïse pour aller en Égypte pour bailler Pharaon message pour libérer Israël. Bon Dieu était clair, il était spécifique. Il dit Moïse, al dit Pharaon, laissez aller mon peuple, laissez aller mes fils. Donc Israël, son nation adopté par Dieu. Une nation dont l'Éternel, c'est bon Dieu. À tel point, il dit, heureuse la nation que l'Éternel est son Dieu.
Donc David reconnaît gagnon relation entre bon Dieu et Israël que l'autre peuple pas gagné. Dieu n'a pas agi envers les nations comme il agit pour Israël. Israël gagne bon Dieu comme papa. Et David bénit bon Dieu parce que Israël pas un orphelin. Israël, bon Dieu qui fait ciel la terre, bon Dieu créateur, bon Dieu qui domine dans les cieux sur la terre, le Dieu qui dit la chose arrive, le Dieu qui allait en Égypte libérer Israël, lui c'est papa nation ça. Et David dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. Donc David reconnaît, faut bénir nos bons dieux parce que c'est le Dieu de la nation Israël. C'est pas n'importe monde. Israël, bon Dieu, c'est bon Dieu parle. Les nations, ils ont observé faux Dieu. Bon Dieu, gen mec, des dieux qui gen mec pas qu'à manger, qui gen oreilles qui pas qu'à attendre, qui gen yeux pas qu'à ouais, qui gen pieds pas qu'à marcher. Des dieux pas qu'à faire action. Des dieux faits de main d'homme. Israël, il t'a servi le Dieu vrai, le Dieu grand, le Dieu vivant. Dieu est le Dieu d'Israël. Non seulement bon Dieu, c'est bon Dieu nation ça, bon Dieu accepté nation ça comme petite li, comme peuple li. Et David bénit nos bon Dieu pour ça. Moi avec vous, on prend le temps pour nous bénir nos bon Dieu. Nous tellement occupés avec les choses de ce monde. Nous tellement fatigués, tellement nous mettons pression sur quoi ça. Nous pas dormir assez. Nous travaillons en pile. Et nous pas gain temps pour nous bénir nos bon Dieu. Nous pas gain temps pour nous bénir bon Dieu publiquement. Nous pas gain temps pour nous bénir bon Dieu pour ses refaits, pour ses bienfaits. Nous pas gain temps pour nous bénir bon Dieu parce que bon Dieu bénit nous. Nous ca prend soin de famille nous et de plus nous ca supporter le travail de Dieu, le royaume de Dieu. À chaque fois nous gain opportunité pour nous bailler quelque chose. Faut nous bénir nos bon Dieu parce que c'est parce que nous bénis, fait qu'a béni le travail de Dieu ou bien l'autre monde. Et David peut le dire. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, qu'à tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. David bénit l'Éternel publiquement. David bénit l'Éternel parce que c'est le père de la nation d'Israël. Et David a dit, l'Éternel qui sait le Dieu d'Israël. C'est à l'Éternel ça. Son Éternel qui grand, qui fort, qui magnifique et qui éternel. L'éternité c'est pour lui. La gloire c'est pour lui. Moïse dit dans le psaume 90. Moïse dit par Isaïe.
d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le Dieu d'Israël, il est grand. La grandeur est à lui, la force est à lui, la magnificence est à lui, l'éternité est à lui et la gloire est à lui. C'est le Dieu souverain. Son règne est souverainement élevé. C'est le Dieu qui est riche. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. David reconnaît la grandeur de Dieu. La souveraineté de Dieu, la force de Dieu, la magnificence de Dieu, la gloire de Dieu. C'est le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Donc c'est Dieu grand, c'est Dieu fort, c'est Dieu tout puissant, c'est Dieu souverain. Voilà que David et les chefs en Israël et les peuples gagne un privilège pour faire préparation, pour bâtir un palais pour lui. C'est un privilège. C'est vrai, il peut bâtir un palais pour mon Dieu, mais toute bagaille c'est pour mon Dieu. Mon Dieu déjà possédé toute bagaille. Il n'y a pas de nécessité un palais. Ni pas une nécessité ou maison. C'est bien Étienne qui dit Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Donc quel privilège, quel honneur pour nous si nous qu'à supporter l'œuvre de Dieu. Si Dieu accepte nous servir, si Dieu accepte nous contribuer. Si Dieu accepte nous bailler quelque chose pour faire avancer son royaume, en retour, nous devons bénir bon Dieu. Nous devons reconnaissant envers bon Dieu. Parce que tout ça n'a pas offert bon Dieu. C'est parce que à un certain moment dans la vie, bon Dieu te mettait la main. Dieu autosuffisant. Il est grand, il est souverain. Il n'a jamais grand goût. Il n'a jamais bon besoin. Tout ça, il fait parce qu'il remet. On ne pas jamais suspendre. Béni mon Dieu. On bénit publiquement. On bénit parce que c'est bon Dieu, pas non. On bénit parce que il est grand, il est fort, il est puissant, il est souverain. On bénit parce que tout ça qui est dans le ciel, la sous terre, c'est pour lui. On ne pas jambes suspendre, béni les dieux vivants et vrais, les dieux qui nous aiment et qui baillent son Fils unique Jésus-Christ pour capable de nous la vie éternelle. On bénit les bon Dieu. Seigneur éternel, nous bénissons ma terre, nous exaltons ma terre, nous l'aurons. Pas de temps, pas de temps. Qui moune nous hier? Qui famille nous est pour capable accepter nos serviteurs, pour aimer nous et au bon nous Jésus-Christ comme sauveur, comme rédempteur. Béni mission ça que tout le monde va dans elle. Dans nos Jésus-Christ, Père, nous prions. Il vient qui vient qui règne, de maintenant et pour toujours.